Bébou, tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mélissa. Au revoir. À la chaîne de Mme Rognon. Mais non, mais mon cœur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté depuis le mois de janvier, en fait, janvier-février. Enfin, surtout qu'il est absolument dégueulasse. Toutes les petites choses viennent d'un petit peu partout. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Les premiers achats, je vais vous montrer les premiers achats d'Action. En premier, j'ai pris ce petit... Pourquoi il est dégueulasse comme ça, super. Ce petit carnet qui vient d'Action. Donc du coup, celui-ci, je l'ai eu pour 2,16€. Je le trouve trop trop mignon. Il est rose poudré avec écrit « Note ». Or, il y a un petit bidule, machin, chose, marque-page, là. C'est déjà ça, je suis extrêmement dégoûtée. Donc voilà, les pages, par contre, sont... voilà, un peu jaune. Par contre, c'est vachement sympa parce qu'on peut mettre en haut les dates. Et voilà, il y a des lignes et tout. Donc, je trouvais super mignon. Toujours chez Action, je vous montrerai. Donc, là, pendant que je parle, j'ai pris un plateau blanc, donc en espèce de métal avec au milieu, c'est du bois. Donc, je trouvais super mignon pour. J'ai peut-être inversé les prix, je sais pas. Enfin, bon, parce que j'ai pris deux plateaux. L'autre plateau, c'est un plateau en métal blanc. Je vous montrerai aussi qui est hyper joli, que j'ai posé sur notre table basse. Donc, il y en a un qui était à 2,99€. Et l'autre était à 3,65€. Je suis en train de chanter, c'est une vaste blague. Ensuite, je vous montrerai aussi, là, c'est un espèce, ils appellent ça un panier rose en métal, là. Donc c'est super joli. Là, j'ai mis une espèce de petite guirlande, là, que je vous avais présentée dans mon haul Action aussi, avec de la neige dedans. Mais j'ai l'intention d'en acheter, vous savez, celle bah, qui ressemble à ça, mais de couleur. J'aimerais bien avoir des grises, blanches, roses, enfin voilà, dans les tons de chez nous. Mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé mon bonheur. Et ce panier là m'a coûté 1,49€. Ensuite, dans un magasin style chinois en fait au Mans, qui s'appelle D'Enfer. J'en ai jamais vu ailleurs, enfin j'en ai déjà vu des magasins chinois, mais celui-ci il est vraiment immense. Et je sais pas par contre si c'est une chaîne ou si c'est juste là que... C'est juste au Mans qu'il y a un magasin qui s'appelle D'Enfer, enfin bref. Et donc du coup voilà, c'est vraiment pas cher, ça ressemble vraiment aux vêtements qu'on vend chez, sur Shein, etc. Ils font des trucs vraiment stylés, vraiment sympas, à des prix plutôt abordables, en fait ça dépend quoi. J'étais allée à la base pour les soldes, mais bien évidemment, puisque j'y suis allée là, là on est le 16 de février, c'est-à-dire que les soldes sont bientôt terminés. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment plus rien, ou des trucs vraiment pas très beaux, ou alors des trucs pour l'été. Moi je m'en fous, pour l'instant j'ai des trucs pour l'été, je préfère attendre les soldes d'été pour l'été. Du coup, pour ça j'ai pris un short, donc motif Prince de Galles, là, je sais pas quoi, machin chose, là, vous appelez ça comme vous voulez, il me semble que c'est ça, je peux lui dire des conneries. Donc il fait un petit peu parachute, vous voyez, moi je trouve ça super joli, vous le portez taille haute, quoi, et donc le motif est avec... du jaune, du coup je trouvais ça super sympa. Moi qui mets dans l'ensemble pas de jaune, là en ce moment c'est plutôt la mode de mettre du jaune et je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième article est pareil, Prince de Galles, il se ressemble beaucoup. Pareil avec un petit nœud devant à faire qui se porte vraiment taille haute, elle n'est pas du tout courte. Et là cette fois-ci c'est Prince de Galles mais en rouge. Là vous voyez, vous faites le petit nœud devant. De toute façon, peut-être que je vous insérerai des photos si jamais j'en ai pris sur Instagram, sur machin. Voilà, donc elle est vraiment très mignonne. Et donc ces deux articles ont coûté 14,90€. Donc franchement, ça valait le coup. Ils faisaient des promotions de malade sur les chaussures. Toutes les chaussures étaient à moins 70%. Sauf que bien évidemment, je fais du 37 ou du 36 pour certaines paires. Hein, mais bon, en général, je fais du 37. Et bien sûr, c'est des voitures qui partent hyper vite. Donc bah malheureusement il n'y avait rien pour moi. Oui, donc ensuite je voulais vous présenter aussi, parce que je suis allée chez Leclerc. Et chez Leclerc, donc ça je vous l'avais présenté, j'avais fait une photo. Oui, ça c'est mon marque-page, genre c'est une enveloppe, effectivement. Je vous avais montré une photo donc sur Instagram. J'ai pris le premier livre de Marie d'Enjoy Phoenix. Je voulais le lire, donc pour l'instant je ne l'ai pas du tout fini, je l'ai commencé.
Mais pour l'instant, je n'accroche pas trop, je n'ai pas envie de vous mentir. Je pense que peut-être que son roman m'attirera plus, me plaira plus. Pour l'instant, voilà, j'ai pas lu non plus beaucoup de pages, j'en ai lu 35. Mais il coûte 5,65€, donc franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment pas cher comme livre. Et sympa, j'aime bien lire un chapitre de temps en temps, parce que les chapitres sont quand même courts, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais il faut que je trouve la motivation pour lire. Ce serait bien. Donc voilà, ça je l'ai acheté chez Leclerc à 5,65€. Chez Leclerc aussi, l'un de mes cadeaux de Saint-Valentin, je suis trop contente. Pourquoi était le seul comme ça? On lui aurait demandé. C'est la The Burgundy. La Burgundy Bar de Maybelline. Elle est juste. Elle est incroyable. Là, je me suis maquillée avec ça, mais bon, j'ai pas fait un truc de fou. Je veux dire, j'ai utilisé. Je vous la montre de toute façon. Ah, au secours, oui, parce qu'il y a un petit pinceau. Ce que j'utilise pas parce que bon, il est pas non plus extraordinaire quoi. J'ai utilisé donc cette couleur et ça j'ai mis celle-ci juste en dessous des sourcils parce que voilà, ça illumine un petit peu, c'est très joli. Et elle est incroyable. Mon chéri il l'a eu pour 14,90€. Il me semble que c'est le même prix un peu partout. Je l'avais vu sur Amazon, elle était en promotion, elle était à 10,90€, mais il fallait entre 1 et 2 mois pour la recevoir. C'est-à-dire que je pouvais faire payer 5€ de plus quoi, ou 4€ de plus, enfin, peu importe, mais franchement, je trouve ça un peu abusé. Bref, elle est magnifique, la pigmentation est incroyable. Je vous la conseille vraiment pour 14,90€, la pigmentation est vraiment folle. Bon, je vais pas vous faire des swatches, sinon je m'en fous partout, et j'ai un haut blanc, donc merci, au revoir. Hein. Mais elle est vraiment folle, peut-être que... Bon, enfin, c'est pas trop mon truc de faire des make-up, enfin bon, on verra peut-être sur Instagram, je vous montrerai des make-up dessus, mais certainement pas sur ma chaîne. Ensuite, Leclerc, je sais plus si j'ai pris autre chose. Oui, si j'ai pris autre chose. Un truc d'ailleurs, je vous ferai une vidéo dessus. C'est le mascara volume coloriste de Rimmel. Alors, il est censé teinter les cils au bout de 15 jours. Oui, quoi, Bebou, dépêche-toi! Là, tu me fais perdre du temps. Puis-je me permettre d'aller faire une lessive le temps que vous teniez? Oui, très cher, allez-y. Dépêchez-vous, Conchita. Donc il est censé, donc c'est un noir intense, il est censé teindre les cils au bout de 15 jours. J'avais commencé au bout de 15 jours, sauf qu'il y a des jours où je me maquille pas, ce qui est logique. Enfin, je me maquille pas tous les jours, ça m'emmerde. Et donc voilà, je n'ai pas utilisé réellement pendant 15 jours. Donc là, ça fait un peu plus longtemps, je me suis dit, je vais attendre 20 jours comme ça, j'aurais vraiment fait 15 jours. Et là, j'ai essayé réellement d'en mettre tous les jours, même si ça me saoule de me maquiller tous les jours, pour voir si ça fonctionnait vraiment. Et bon, bref, je vous ferai une vidéo dessus et je vous dirai ce que j'en pense. Mais sinon, en tout cas, je sais pas si vous allez réussir à voir. Vous voyez peut-être, il est quand même, je le trouve vraiment pas mal. Ensuite, sur vente privée, donc j'ai pris, il y avait une vente Levis. Putain, ça prend des produits. Donc je viens juste de le recevoir, je suis trop contente. Il est hyper beau. Donc c'est un petit sweat qui vient de chez Levis, qui coûte... 30,90€, il est vraiment super sympa. Et donc il y a en bas, je sais pas si vous allez voir là, on dirait ben, qu'il n'est pas fini, vous voyez, on dirait qu'il a été coupé. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Les manches sont un peu courtes, bon, elles sont retroussées là. Ouais. Faire en sorte qu'elles ne soient plus. On peut l'ouvrir, je veux dire, c'est pas cousu, donc je le trouve vraiment super joli. C'est une matière de malade, de toute façon, c'est hyper doux. Enfin, c'est Levis, c'est encore heureux pour le prix. Bon là il est à 30,90€ mais normalement vente privée font des prix de folie. Donc d'après ce qu'il disait, je l'ai eu en super promotion. Si ce n'est pas le cas, ne me le dites pas. Ensuite donc j'ai pris toujours donc, dans la vente Levis ce petit haut. Alors je pensais sur la photo il faisait orange rouge mais toujours sur le rouge. Finalement il est réellement orange. Alors à la base je vous le dis, je déteste l'orange. Mais là, je le trouve vraiment sympa et franchement, je me dis que ça peut vraiment bien rendre. Et bon, du orange comme ça, ça passe. Le seul truc éventuellement où je pense que je ne mettrai vraiment jamais de ma vie, c'est le vert pomme là, ça non. Mais là, en fait, je le trouve vraiment sympa. Bon, je pensais qu'il était moins orange que ça, je crois que c'était vraiment un orange rouge, mais bon. Celui-ci, je l'ai eu à 17,90€, il est vraiment hyper sympa. Je trouve qu'il fait un petit peu school, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est vraiment cool, je l'aime beaucoup. Chez Gémeaux, donc hier avec mon chéri, on est allé chez Gémeaux parce qu'en fait, je n'ai pas d'escarpins. Je n'ai pas d'escarpins noirs.
Je n'ai pas de jolis talons aiguilles, etc. Je n'en ai pas. Toutes mes chaussures à talons, elles sont ouvertes. Elles sont toutes, c'est-à-dire que j'en ai trois paires. Donc c'est pas tant que ça, parce que j'ai fait un tri. Il n'y en a plus aucune qui me plaisait. Donc j'ai gardé que celles qui me plaisaient, ce qui fait que j'ai que trois paires qui sont complètement ouvertes. Et j'en voulais des fermées et des pointues, parce que je trouve ça vraiment hyper joli. C'est, voilà, c'est revenu à la mode. C'était à la mode, c'était la mode quand nos parents étaient... Enfin, avec peut-être nos âges ou même un peu plus vieux, quoi. Donc, bon, bah, bref, je les trouve vraiment très jolies. Elles viennent donc de chez Gémeaux à 29, je les ai vues à 29,90 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, avec la petite sangle, il y a des espèces de petites paillettes, là, des petits strass, mais vraiment très légers. Je les trouve vraiment hyper classe. Pour le moment, je les trouve pas trop inconfortables, mais je n'ai pas passé la soirée pour l'instant avec puisque je les ai seulement achetées hier. Donc je vous en dirai des nouvelles si jamais elles sont à trans, mais bon. En tout cas, je les trouve très belles et je trouve que le prix n'est pas du tout excessif. Ensuite, chez Pinky, pour je crois que c'est 19,99€, j'ai pris un slim taille haute, skinny taille haute, on appelle ça comme vous voulez. Vraiment top, hyper stretch. Alors voilà. Ah oui, pour les t-shirts Levi's, au passage, j'ai pris du M et taille plutôt petit. Et en plus, ça, ils sont assez crop. Donc, du coup, moi, j'aime pas trop, j'ai pas trop envie qu'on va m'en vendre. Et je déteste être toute serrée. Donc, moi, je prends du M. J'ai pas une petite poitrine. Donc, voilà, je préfère prendre du M. C'était juste histoire de vous le dire. Donc, voilà, un pantalon vraiment très bien. Il fait des jolies fesses. Il est pris bien pour 19,99€. C'était nickel. Et avec, j'avais pris cette petite bague. Je sais pas si vous allez bien la voir. Bref, elle est vraiment très très mignonne. Voilà. Je sais plus combien elle était. Je crois qu'elle était peut-être à 2€. Je me souviens plus. Mais je la trouvais vraiment très chou. D'ailleurs, je vais le mettre. Voilà. Ensuite, à l'Intermarché. Oui, à l'Intermarché, tout simplement. Tout simplement, parfois, on trouve des trucs vraiment sympas. On ne pense pas forcément à Intermarché, tout ça. Regardez, je sais pas, les vêtements, les bijoux. Et en fait, je suis passée devant, son chéri est allé dans le rayon des jeux vidéo, et juste à côté, il y avait, vous savez, les colonnes avec tous les bijoux. Et donc du coup, il y avait cette bague qui est vraiment super jolie. Je la trouvais trop mignonne avec voilà, cette espèce d'effet de feuille. Je la trouve vraiment magnifique. Et je sais plus à combien je l'ai eu, j'étais à 2,99€ ou 3,99€. Enfin, pas excessivement cher pour le prix d'un bijou en général. Ensuite, je suis désolée par contre, là il y a plein de poussière, de pouloute, machin, dessus. Parce que visiblement ça accroche tous les poils et bien sûr chez nous il y a quoi, des poils puisqu'on a un chien. Donc chez Jiffy, non, oui si c'était chez Jiffy je crois, on a pris ce tableau-ci avec les espèces de pompes là à l'ancienne. J'adore, je crois qu'on l'a eu peut-être à 8€, 5€, 8€, je ne me souviens plus exactement. Ce petit cadre que je trouve vraiment très joli, donc avec l'hélice de l'avion, pareil, je ne sais plus exactement combien on l'a payé peut-être 7€, 8€, je ne me souviens plus exactement. Ensuite, on allait dans une brocante au Mans et il y a un mec qui vendait des petites pancartes comme ça, là, en espèce de métal. Que je trouve vraiment hyper sympa, donc il en vendait plusieurs, je crois qu'on l'a payé, on a payé 5€ là, le truc quoi. Donc on en a pris plusieurs, on a pris celle-ci que je trouve vraiment cool, enfin, c'est que des trucs qui étaient un peu vintage, moi j'aime beaucoup. Il y a celle-ci que j'adorais avec la glace, ensuite il y a celle-ci aussi avec la glace. Ça fait un peu effet, vous voyez, les restos américains, là, style Memphis Coffee, etc. Il y a celui-ci, et j'adorais ce qui était écrit dessus, parce qu'il y a écrit « Life is short », et il y avait marqué « Eat dessert first », donc « Mange le dessert avant, puisque la vie est courte », quoi. Donc je le trouvais vachement drôle. Et donc mon chéri aimait beaucoup celui-ci qui est donc dans un autre style et moi aussi je le trouvais sympa, donc avec les voitures à l'ancienne dans Parade en Grease. J'aime beaucoup, voilà, devant un dinner, voilà, un restaurant là, style américain. Et il y a aussi, on avait trouvé celui-ci qui est complètement dans un autre style. Celui-ci par contre on l'a pris chez comment ça s'appelle déjà, chez Nose, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On l'a payé 1,50€.
Donc voilà, je trouvais vraiment sympa. C'était à Shanghai, visiblement. Donc voilà, sur un port que je trouvais vraiment cool. Voilà, ensuite il y a aussi donc la table basse. C'est une table basse donc qu'on a prise tout simplement parce qu'elle était en méga promotion. C'était une exclu web, donc on la trouvait que sur leur site, le site de Conforama. Elle est incroyable, elle est immense. J'ai voulu que je m'allonge dessus pour en voir tellement elle était grande, pour voir si j'étais aussi grande que la table, parce que quand il la voyait comme ça, il s'est dit non mais c'est pas possible, elle est aussi grande que toi la table. Et non, il y a quand même mes pieds qui dépassent bien, je suis quand même plus grande. Donc bref, c'est juste pour vous dire qu'elle est immense, elle est magnifique et elle était à 150€ au lieu de 300. Enfin, je sais plus, c'était un truc de fou. C'est une qualité de malade. En fait, elle est en plusieurs morceaux, c'est-à-dire que le plateau hein, au-dessus n'est pas en entier. Vous recevez que des bouts qu'il faut assembler et tout, mais elle est d'une qualité incroyable. Donc voilà, pour, je crois qu'on l'a payé environ 150€. Vraiment, elle est magnifique. Donc voilà, j'étais vraiment contente de cet achat-là. Donc voilà, à peu près, j'ai craché. Pour les achats donc depuis du mois de janvier, février, etc. Dans l'ensemble, bon, c'était pas des soldes, mais voilà, on s'est fait un petit peu plaisir. Je me suis fait un petit peu plaisir, des petits trucs par-ci par-là. J'espère en tout cas que ce haul vous a plu et que bah, peut-être ça va vous donner envie d'aller acheter des petites choses à droite à gauche. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, voilà, ça me fait toujours plaisir et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao !